Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour nettoyer tous ces pinceaux. Et comme tu vois, il y en a beaucoup. Je trie mes pinceaux pour ensuite pouvoir les nettoyer plus facilement. De cette façon, je pourrai en laver plusieurs à la fois. Sache qu'il existe deux méthodes pour nettoyer ces pinceaux. La première est le nettoyage au nettoyant spray pinceau et le second, le nettoyage en profondeur. Le nettoyant à pinceau va servir à nettoyer ton pinceau en surface de façon à ce que tu puisses le réutiliser, changer de couleur ou retirer l'excédent de produit. Si je devais faire le parallèle avec quelque chose de très concret que tu puisses comprendre, le nettoyant à pinceau, c'est un petit peu le shampoing sec pour les cheveux. C'est-à-dire que ton pinceau sera bien pour être réutilisé, cependant il ne sera pas du tout nettoyé en profondeur. Pour le nettoyage en profondeur, viens humidifier ton pinceau, utilise le savon de ton choix, ici j'ai utilisé du savon de Marseille, et tu viens le frotter alors dans ta main ou bien sur un support adéquat, ce que tu veux. L'important c'est de bien faire mousser et de rincer à l'eau tiède, à froide, surtout pas chaude, sinon tu risques de décoller les poils de ton pinceau dans le temps. Et voilà un pinceau tout propre, abonne-toi pour plus de tutos.